croisé quelques garçons. Alors, je regarde ou je regarde pas? Oh, faites comme vous voulez. On est là. Comme vous voulez. Alors là, en fait, on vient de finir le dégagement des peintures sur le site. Donc on commence à abattre une partie de ce qui va constituer le post-fouille, c'est-à-dire la phase d'étude des peintures. Et évidemment, le premier travail à faire, c'est le lavage de tous ces fragments. Donc là, on abat un petit peu de lavage, même si on ne fera pas tout maintenant. Une grande partie sera faite pendant une phase d'étude dans les années à venir, mais on essaye d'en faire le maximum. Donc cette toute première phase, elle représente quand même une partie importante du travail, c'est à peu près un quart du temps d'étude des peintures. Et c'est évidemment la toute première phase à faire qui va nous permettre de commencer ensuite les remontages, c'est-à-dire les assemblages des fragments, le jeu de puzzle. Là, en l'occurrence, on a des choses qui sont plutôt solides, qui supportent bien le lavage, le pigment tient bien, mais c'est pas vrai partout. Par exemple, si on prend ces deux fragments, là, il y en a un où le pigment est bien passé, il y en a un autre là où ça s'écaille déjà, donc il faut aller beaucoup plus doucement. Il y a des cas où on va même pas les laver. Par exemple, voilà, des fragments qu'on n'a même pas lavés, parce que là, le pigment est posé sur une fine couche de terre sur le mortier. Donc là, passage à l'eau interdit. Une autre difficulté aussi, c'est qu'il y a certaines caisses où on a ramassé des plaques en connexion sur le terrain, et évidemment, au lavage, il s'agit pas perdre ses connexions, donc il faut être bien capable de se concentrer à reprendre les fragments en place et à les remettre en place pour économiser du temps d'étude. Toutes les connexions qui sont conservées dès la phase de terrain sont autant de temps de recherche de collage économisé pour l'étude. Il y a encore beaucoup beaucoup de travail à faire, on a près de 550 caisses de prélèvement, on espère bien avoir des plaques très complètes sur les deux pièces qu'on a fouillées en deux ans. Et donc avoir des montages qui nous permettent vraiment de lire l'architecture, le décor dans son ensemble. Les personnages qu'on a vu sortir pour l'instant, c'est essentiellement des visages, mais sans accessoires, qui sont difficiles à identifier, à part un personnage qui joue de la lyre et un autre qui a des cornes, donc on voit bien que c'est le vieux Pan. Mais les quatre, trois autres visages féminins, pour l'instant, on est incapable de dire qui c'est. Donc il va nous falloir trouver les accessoires qu'il tenait, en espérant qu'on les ait dans le fragmentaire. On ne voit pas tout passer à la fouille, hein. Il y a des fragments, par exemple, ça, tant qu'on ne l'a pas lavé, on n'est pas capable de dire ce que c'est. Donc il y a encore pas mal de surprises qui nous attendent au lavage.